Aujourd'hui, nous allons parler de pâté au Moyen Âge. Chers amis, bonjour et soyez tous les bienvenus ici même au musée Parc Archeos qui nous accueille dans son portus et je me trouve en compagnie du professeur Bruno Loriou. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de pâté. Alors Bruno, qu'est-ce qu'un pâté au Moyen Âge Ah oui, alors c'est pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui, puisque un pâté au Moyen Âge, ça veut dire un mets cuit en pâte. Alors aujourd'hui, c'est synonyme de terrine. Oui, et alors là, quand c'est une terrine au Moyen Âge, on dit plutôt un pâté en pot. Donc tellement il sort de la norme qui est de faire cuire à l'intérieur d'une pâte. Et donc, c'est plutôt un pâté en croûte, ce qu'on appellerait aujourd'hui un pâté en croûte C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un pâté en croûte. Alors, quelle recette euh, tu nous as choisi aujourd'hui pour ces pâtés Alors, j'ai choisi une recette qui vient d'un des plus anciens manuscrits euh, français qu'on connaisse, qui est euh, le manuscrit de Sion, qui contient une version du viandier. Euh, elle nous dit « Paul rôti », donc « poule rôti à la cameline ». Au ou froide songe Donc on ne dit même pas comment faire rôtir, on dit simplement avec quoi accompagner ces rôtis. Et puis on ajoute empâté, empâté, poudré d'épices. Donc on nous dit simplement qu'il faut euh, parsemer d'épices. Mais Mor on, nous, on nous dit pas lesquelles On ne nous dit pas lesquels, bien sûr. Morceaux de lard, donc euh, accompagner de lard, mais comment Est-ce que c'est bardé On ne sait pas très bien. Ou alors mélanger, c'est ce qu'on va faire. Et enfin, au verjus vert. Donc, c'est-à-dire que pour faire le pâté de poule, donc on mélange cette poule aux épices oui. avec euh, du lard. Oui. Et on mélange également avec du verjus. Oui, oui. Ou alors, on garde le verjus euh, comme sauce pour accompagner. D'accord. Ben vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vous propose ben, de mélanger tous ces ingrédients au verjus. Alors Bruno, pour réaliser cette recette, eh bien, je te propose d'utiliser de la poule. On nous parle de l'art également, donc euh, on va prendre de la poitrine. On a besoin de verjus, donc là eh bien, j'ai euh, un, un verjus vert, hein, donc un jus de raisin euh, vert non mûri, que l'on va pouvoir utiliser dans, dans la recette. Alors pour réaliser la pâte, euh, je propose naturellement de la farine, hein, toujours de la farine de, de froment bien blanche, euh, encore gras, de l'huile, voilà, et puis naturellement euh, de l'eau pour réaliser la pâte. On nous parle également d'une poudre d'épices. Alors, je propose d'utiliser du gingembre, également de la cannelle, de la noix muscade, clou de girofle, et pourquoi pas un peu de poivre long. Je m'attaque en premier aux aiguillettes et comme il s'agit de la réalisation d'un pâté, il va falloir découper très finement. On n'a pas de, de hachoir mécanique hein, au Moyen Âge, donc tout doit se découper. Au, ni de robot. Au couteau. Voilà, ni de robot. Donc on va tout découper au couteau et euh, hacher ce poulet vraiment en tout petits morceaux. Donc une fois que le poulet sera bien, bien émincé comme ça, taillé, taillé au couteau, on va faire de même avec euh, de la poitrine. Poitrine salée, poitrine... Euh, là, on est sur, sur de la poitrine fraîche. Fraîche. Alors, hop, on décoine. Et même principe, hein, on va hop, découper des fines tranches. Voilà, en proportion, je suis à peu près un quart de porc pour trois quarts de, de poulet. Ceci, on va devoir le, le mélanger avec notre poudre d'épices. Être un petit peu généreux. Rajouter un peu de verju. Voilà, on mouille de verju. La recette ne le précise pas, mais euh, je trouve intéressant de, de rajouter un, un liant. Parfois, dans des recettes de pâté, on nous dit pour lier, de soit rajouter du fromage ou encore de l'œuf. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, pourquoi pas, en effet, oui, tout à fait. Donc on, on rajoute quoi de l'œuf non Un œuf Allez très bien. Donc là, albin et moyeux. Donc le blanc et le jaune, tout mélangé. Voilà, et on a notre, notre farce qui est prête. Alors maintenant, on va réaliser la pâte. Donc pour ce faire, hop, de la farine, de l'huile. Et on va travailler la farine pour essayer d'avoir quelque chose qui s'effrite complètement en fait que toutes les particules de farine soient bien baignées dans, dans l'huile. Et maintenant on va pouvoir rajouter un, un petit peu d'eau. On va commencer tout doucement. Donc, tu vois, petit à petit, on obtient une pâte qui s'apparente en fait à, à une pâte brisée. Hein. Mmh. Alors là encore, hein, on, ne, on ne précise pas euh, s'il faut saler la, la pâte ou pas. Oui, oui le problème qu'on rencontre régulièrement dans la cuisine médiévale. Voilà, et donc cette pâte, eh bien, on va pouvoir, eh pouvoir euh, l'étaler. Voilà, donc je finis d'étaler ma pâte et on va venir mettre de la préparation à l'intérieur. Voilà, on vient refermer, hop, notre pâté. Finalement, on pourra après ça un chausson presque. Oui, c'est c'est presque un, un, réalisé comme ceci, c'est presque ouais. un, un chausson. Et donc Bruno, ce que je te propose, c'est de faire deux autres pâtés comme ça, on pourra faire des cuissons comparées entre cuisson au four, cuisson entre deux poils et cuisson dans de la céramique. pour faire cette cuisson, en fait, on va venir recouvrir d'un plat un petit peu plus grand et déposer directement dans la braise et remettre de la braise par-dessus. Céramique, métallique. Pourquoi un, un petit plat ou une petite poêle plus grand par-dessus pour éviter eh bien que des braises ou de la cendre ne viennent euh, polluer no, notre pâté. Pendant que ça cuit ici, amenons le dernier pâté dans le four. Voilà. Le pâté est à l'intérieur. On va vite retourner voir ce qui se passe au niveau des cuissons dans le foyer central. Donc, cuisson métallique et cuisson céramique. Alors, à mon avis, on l'a laissé beaucoup trop longtemps dans la poêle métallique. Ah. Et. Ah oui. Bon, <laughs> là, vous voyez, on est sur une expérience complètement ratée. Le, le pâté est complètement carbonisé. On va essayer de voir ce que ça donne dans de la céramique. Ah, alors, le pâté a quand même une plus jolie couleur. Là aussi, je pense qu'il est resté à cuire un peu trop longtemps. Voyons ce que ça donne. Ah, alors, vous voyez, là, le, le pâté est complètement noirci. Donc Ce qui veut dire qu'on a enfourné dans un four beaucoup trop chaud. Euh, on va défourner, mais à mon avis, à l'intérieur, ça risque de pas être cuit. Je vous invite à venir assister maintenant à la dégustation. Nous allons voir ensemble ce que donne notre expérience de cuisson de pâté. Alors là, on est sur une température à cœur aux sorties du four à 47 degrés, ce qui est très bas. Euh, Rappelez-vous, hein, il y a du, du petit salé, il y a du porc à l'intérieur, mais même pour le poulet, c'est une température qui est assez basse. Je vous avoue, je, je suis assez déçu <laughs> sur ces cuissons. Euh, mais voilà, on va découper ces pâtés et puis voir ensemble ce que ça donne. Alors chers amis, nous avons donc mené une expérience de, de cuisson euh, différenciée, hein, cuisson métallique, où on voit euh, le résultat. Pas de carbonisé autour, en revanche un intérieur qui est bien cuit. Une cuisson au four, malheureusement four trop chaud. Euh, ça n'a pas cuit à cœur et puis l'extérieur est un peu carbonisé mais si on gratte un petit peu euh, la croûte on voit quand même qu'elle euh, qu est intéressante et ensuite une cuisson euh, dans de la céramique où là on a un résultat qui est quand même assez intéressant. Je ne sais pas si le four était trop chaud, c'est surtout qu'on a... On l'a mis trop tôt, quoi. c'est surtout ça. C'est-à-dire oui. en fait, on aurait dû attendre un peu. Ouais, c'est vrai que normalement, le on utilise la, la chaleur résiduelle. Oui, ça. On fait des ça. premières cuissons, comme la cuisson du pain, et ensuite, sur la chaleur résiduelle du four, on, on, met, les, on met les pâtés. Euh, là, on a enfourné tout de suite. Bon, ça, ça a été une erreur, mais ça fait partie de l'expérience. <laughs> voilà, chers amis, euh, n'hésitez pas hein, à, à essayer vous aussi à faire vos propres pâtés. Euh, nous, nous allons les déguster, en tout cas euh, peut-être celui qui est le, le, le plus cuit. Et euh, je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit.